Qu'est-ce que l'examen périodique universel? L'examen périodique universel est un mécanisme des Nations Unies qui a pour objectif d'améliorer la situation des droits humains dans chacun des 193 États membres des Nations Unies. Le PU est un processus de 5 ans, comprenant 3 étapes clés. La première est l'examen à Genève de la situation des droits humains dans l'État examiné. La deuxième est la mise en œuvre entre deux examens des recommandations formulées à l'État examiné. Et la troisième, l'évaluation au prochain examen de la mise en œuvre de ces recommandations et l'évolution de la situation des droits humains dans le pays depuis le précédent examen. Trois documents principaux sont essentiels pour étayer chaque examen. Le premier est un rapport national écrit par l'État examiné. Dans ce contexte, l'État est encouragé à mener des consultations avec la société civile nationale afin de tenir compte de leurs préoccupations et d'évaluer globalement la situation des droits humains au niveau national. Le deuxième est une compilation par le Haut Commissariat des droits de l'homme des informations provenant des organismes des Nations Unies, des procédures spéciales et des agences des Nations Unies. Le troisième est un résumé rédigé par le Haut Commissariat des droits de l'homme basé sur les informations provenant des institutions nationales et des organisations de la société civile. L'examen à Genève se déroule en trois étapes. Premièrement, l'État est examiné pendant 3h30 par le groupe de travail composé de tous les États membres des Nations Unies et les États observateurs. Ces États formulent les recommandations sur la manière d'améliorer la situation des droits humains dans l'État examiné. Il en résulte de cet exercice un rapport préliminaire comportant en moyenne 200 recommandations. Ce rapport préliminaire est adopté par le groupe de travail quelques jours après l'examen. Et enfin, ce rapport préliminaire est adopté de manière officielle au Conseil des droits de l'homme qui se tiendra quelques mois plus tard. À ce stade, l'État examiné doit déclarer les recommandations qu'il accepte et qu'il note. Le PU est un processus véritablement universel car il examine tous les États membres des Nations Unies et prend en considération tous les droits humains, des droits civils et politiques, aux droits économiques, sociaux et culturels, indépendamment de la taille ou de la situation des droits humains dans un État donné. Lors de l'EPU, les États sont examinés par les États. Néanmoins, la société civile, les institutions nationales, les médias et les citoyens ont un grand rôle à jouer. Ils peuvent fournir des informations avant l'examen de leur État, évaluer et soutenir la mise en œuvre des recommandations.